Là, c'est ma petite vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, c'est très calme. Covid-19 oblige. Je rappelle les consignes. Je suis une ancienne infirmière, donc je pense ne pas dire de bêtises. Les consignes habituelles, c'est lavez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon pendant 30 secondes. Après, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je me lave le visage avec du savon également. Je ne sais pas si ça évite quelque chose, mais psychologiquement, ça agit en tout cas. Et puis, qu'est-ce que je dirais? Gardez vos distances vis-à-vis des personnes âgées. Dites-leur bonjour de loin, ça leur fait plaisir. Comme ça ne les isole pas complètement. Et puis, si vous avez des symptômes, vous restez à la maison, tout simplement. Vous téléphonez au numéro indiqué selon que vous habitez en France, Suisse ou ailleurs. Et vous restez bien sûr le plus possible chez vous. Quand vous faites des courses, vous ne vous bagarrez pas. Il y en aura pour tout le monde. Il n'y a pas une pénurie de manger. Malheureusement, c'est un virus qui nous attaque et il vaut mieux se concentrer sur le virus qui attaque que de se bagarrer, de se choper le virus, justement, hein. Parce que c'est ce qui risque d'arriver pour certains. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Aujourd'hui, il fait beau, qu'il faut profiter. Sortez tout, évitez de sortir tous. Si vous voyez trop de monde dans la rue, vous rentrez à la maison, vous sortez un peu plus tard. Et puis, ben voilà. Bon, moi, je suis sortie très tôt, évidemment. Le chemin est encore long. Moi, je suis à Genève. C'est vrai que ça se sent, bien sûr. J'ai entendu dire que même à Genève, il y a eu des problèmes dans les magasins, ce qui est triste. Dans ces cas-là, la discipline est très importante d'écouter les médias, du moins les gens qui savent ce dont ils parlent. Et puis, je vous souhaite à tous une belle journée, un bon dimanche et continuez à profiter de la vie. Je vous embrasse tous électroniquement.